Allez, on va aller chercher ce mercato hivernal là. Bien évidemment. Épisode 11 déjà. Ça passe vite tout ça. Hein. Je vais bien se lancer. Mes dirigeants sont déçus. Ouais, bah, je comprends qu'ils soient déçus, mais là on essaye de remonter un peu la barre, tu vois. Là, on redresse un peu la barre et tout, tu vois. Donc, on a gagné. On remonte un peu au classement. Ah, on est 11e des Ligue 1. On a 3 points en plus de la 6ème place en soi. Soit c'est jouable. Faut remonter. Parler de nouveau contrat avec Jonathan Mamba, allez. Allez. On va négocier avec toi, Jonathan. Hop là. Contrat. Nouveau contrat. Ta gueule. Ah. Le problème. C'est que financièrement, je peux pas trop faire ce que tu demandes. C'est la merde. Il y a plus d'argent dans les caisses. Je peux pas faire mieux que ça, frérot. Moi, j'ai pas de chute. J'ai pas de thune, hein. Avec tout ce qui arrive là, frère. Des arrivées, il y a des trucs. Moi, je peux pas tout. Ouais. T'as Castillero, t'as Jata, t'as Hamedozovic, t'as Petersen, t'as Kanerzis qui se barre, mais ça on s'en bat les couilles. T'as des arrivées, t'as tout. Pavlenka, ben. Signalé Sdouaï, dommage. Écoute. Tant pis, hein. Sardar Hamza, lui il faut qu'on voit après parce que fin de contrat en 2022, mais les fins de contrat en 2022, faut je vois après. Je vais pas faire maintenant les offres et tout. Prochain match contre la SM Belfort le 2. De janvier. Je compte Belfort, une équipe de National 2 en Coupe de France. Mitrovic. Mitrovic. Après, financièrement, je pourrais pas aller acheter des gros joueurs, tu vois. Passe au Rijsdali. Pourquoi pas, hein. Rijsdali, Bazor. De toute façon, on va attendre le 1er janvier. On va voir qui est en fin de contrat. Et on va
essayer d'aller offrir des contrats par-ci par-là pour essayer de signer des mecs pour la saison prochaine déjà aussi. Après, on se concentrera plus sur le mercato de cet hiver avec peut-être des départs, peut-être des arrivées, on verra. Des arrivées sans départ, il n'y en aura pas parce que financièrement, on n'a pas d'argent. Et on verra bien de toute façon ce qui va se passer. On espère que certains joueurs vont s'en aller. On sait qu'il y a Ikoné qui s'en va, il y a Fonte et il y a Karnesis qu'on voit là. Ça fait déjà 3 joueurs en moins. Il y a lui aussi qui part à Bâle. Voilà, 4 départs pour 4 arrivées aussi. Avec des mecs qui peuvent jouer un peu plus. Ouais, des mecs un peu plus jeunes, hein. Quand je regarde 36, 38, 17, 23. Arrive 22, 20, 23, 26. Alors 22, il remplace le 38 en plus. 22 ans, défenseur central. Donc, on sera gêné aussi. Et on fait le taf, on fait ce qu'on a à faire, quoi. Sporting qui vaut le score des 8 minutes de jeu. Ça, Benfica. Pablo Sarabia. Danilo Hodder qui est prêté. Je m'en bats les couilles, moi je veux juste arriver en janvier pour pouvoir négocier les contrats de. Oui, ben. Faut que je dise que. Schneiderlin négocie avec le CSKA Moscou. S'en fout un peu de Schneiderlin. Négocie avec Sochi, ouais, bah, négocie avec la Russie, quoi. Morgan Schneiderlin, OGC Nice. Négocie avec Poutine. Fin de contrat dans 6 mois, bah, on s'en fout. Contrat jeune, puis recommandation à tous. TJ Savanier. Juste les mecs en 2022 et essayer d'aller chercher des petits joueurs sympathiques, tu vois, par-ci par-là. Je sais pas, j'ai pas de nom comme ça qui me viennent en tête, mais je pense qu'il y a des petits cracks à aller chercher par-ci par-là et aller chercher des bons petits joueurs, tu vois. Maintenant, faut aller les chercher et essayer d'en choper quelques-uns, quoi. Dernier jour pour recruter un joker, on s'en fout, on avait déjà recruté un joker, on avait pris le doigt rond, donc ça nous concerne plus. Tu vois, la chance, elle est même pas. Il y en a des joueurs en fin de contrat, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr qu'il y en a à choper aussi, donc on va essayer d'en choper quelques-uns. À voir. On arrive à choper un bon petit gardien pour éviter de payer Grbic. Il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire, je pense. C'est une Botman. Bravo, José Fonte. T'es nul. De toute façon, tu te barres, je m'en bats les couilles. Il se barre dans 20 jours, lui. Lui, le. Je crois que non, c'est le 10, je crois qu'il s'y assoit. Le serre au sein du vestiaire est superbe. Limite de recrutement joker, mise à jour monsieur des finances. On a de l'argent, pas pour dépenser sur le mercato en tout cas. En tout cas, qui va falloir signer des petits salaires parce qu'on n'a pas des milliards d'euros quoi. Après, bien sûr qu'on va venir nous chercher des joueurs et tout, mais voilà, il y a déjà 5 offres de transfert. Bref, on va faire dans l'ordre. Youssouf Ezici, on s'en bat les couilles. Début conseil d'équipe pour Belfort. Avec le premier match d'Ametzovic. Je finis très mal assis, on s'en fout.
S'en fout, s'en fout, s'en fout. Tac. Carnésis qui se part. Et là, c'est. Hop là. Enregistrement de l'effectif. Alors. Anel Amezovic qui va être enregistré. Bien évidemment. Bakary Jatta. Samu Castillejo. L'autre doit être un jeune. Ouais, mais c'est Petersen. C'est Petersen le dernier. Petersen il va en. Il est en prêt. On l'a laissé là-bas en fait. On va le laisser en prêt là-bas. Donner numéro de maillot. Anel, tu vas prendre le 36. Jata, le 37. Castillejo, le 38. Soumettre. Tous les autres numéros sont pris, qu'est-ce que je te dis? C'est pas ma faute. Hein. Ensuite, transfert record pour un joueur gambien. 3 millions d'euros. Date importante en janvier. Période d'essai, pas sûr pour FaZe. Si tu veux. Offre de Nancy pour Bulens. Zéro. Y a pas moyen d'aller chercher un petit je sais pas un petit 5K, j'en sais rien, en vrai j'en sais rien. On va aller chercher un petit 5K, non zéro. Ah vas-y, casse-toi. On laisse des contrats en fin de saison, non des prêts, mais j'ai pas envie de prêter Lukaku en fait. Qui a dit que je voulais prêter Jordan? Là, on va aller dans les joueurs observés. Là, c'est là que ça va se jouer. Parce que là, elle est sur les contrats. Expire en 2022. On va aller voir jusqu'à où ça va. Et après, on va regarder des noms. Ouais, il y a pas mal de joueurs hein, qui expirent en 2022 là. Pas en 12. Mais voilà, le 30 juin. Maintenant, à voir qui on va aller choper meilleur du monde. Je vois un Danilo Pereira qui pourrait être intéressant. C'est. Ah non, mais c'est pas Danilo Pereira du PSG. Bon, en fait, non, du coup. Xavier Fedal, il est vieux quand même. Regardez un peu ce qui peut nous intéresser. Ricardo Kishna. Pas celui que je pensais. Tolgay Arslan en vrai. Booba, ça sera un très très gros coup, Booba. Hein. Booba, il veut pas. C'est de rejoindre un plus grand club. Merci. Il est champion de France en titre quand même. Zagadou pour un retour en France, pourquoi pas. Zagadou qui veut pas. Tomagoj Vida, mais c'est vieux déjà. Enfin, quoi que 32 ans. 32 ans avec l'expérience et tout, ça peut être pas mal, hein, Tomagoj. Tomagoj Vida. Ouais, mais bon. Gros, ton salaire, frère. Je sais pas. Ça paye bien la Turquie, putain. Ça paye bien la Turquie, je te le dis. Putain, les enculés. Je monterai pas au-dessus de 250K par mois, mec. Même comme ça, est-ce que 250K c'est. C'est vida, quoi. Non.
trop cher pour de ma gueule vide, hein, en vrai. Je préfère mettre sur d'autres joueurs que sur lui. Genre Denis Zakaria, là, je peux mettre un plus gros salaire, tu vois. Parce que je sais que c'est un crack. Et tu vois, je peux lui mettre un 250. Ah, mais il veut pas. Nickel. Top check job. En vrai. Note de qui? J'ai fait des grenades. Top check job, j'ai envie de proposer un contrat, moi. Top check job, j'ai envie de proposer un contrat. Chic job c'est fait. Alan, ah non c'est pas Alan, c'est ce que je pensais. Jennifer ouais. Machu Cafaro ça peut être cool. Machu Cafaro peut être cool aussi. C'est un jeune joueur. Ça demande beaucoup d'argent ici. Hein. Ça c'est pas chier, hein, j'ai envie de te dire. En fait, j'ai mis 300 à l'autre, mais tant que faut que je passe un jour du coup pour reproposer. Moi, je pense qu'il y a des coups à faire. Il va falloir que financièrement on arrive à un peu canaliser tout le monde sur certains salaires, mais. Mais voilà quoi. Le reste, ça devrait bien se passer pour le reste. On s'en est passé et tout. Pap check job. Anne-Souza, Stéphane Radu. Ouais. Kyle Larine, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup Kyle Larine. Bah lui il veut pas. Nicolas de la Cruz de River, ça pourrait être un très bon coup aussi. Il veut pas. Qu'est-ce que je te dis? Je leur propose ce qu'ils veulent et finalement ils disent non. Jesse Lingard, ouais. Pépé Lou, j'aimerais bien. Pépé Lou, c'est un petit jeune en plus. Déjà accepté une offre de contrat, putain, enculé. Il va signer à Tottenham. C'est sûr que c'est un peu mieux que le LOSC. Riège Daily Bazower. S'il te plaît, frérot. Mais non, j'ai pas l'argent. L'argent, putain, j'en ai enculé. J'ai pas l'argent. Bon, on n'a pas de sous. On n'a pas de sous, on n'a pas de sous. Putain, Bazouer et tout, frère, c'est des gros coups là qu'on aurait pu taper. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Ismaël Boulchega. On se fait chier de pas avoir d'argent comme ça parce que tu sais que tu peux aller chercher quelque chose quoi. Tu peux aller chercher des mecs en fin de contrat. Il y en a tellement en plus, je suis sûr, frère, des cracks et tout, frère. Genre, je tape comme ça. Il est rongé. Mais genre, je sais pas. Il n'a pas prolongé, tu vois.
Lui, ça aurait pu être un putain de joueur, tu vois, signé en fin de contrat. Mais on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. C'est bien ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de sous. Ah, mais ça, vite, je dans quelques semaines, quoi. Kichihiro. Ce qui est le troisième qui est arrivé, c'est Jata. Ah, bah, il est là, Bakary Jata. Allez. Match de Coupe de France au milieu. Match qu'il faut jouer quand même, hein. Allez, allez. Allez les gars, allez prendre des points là. Enfin, prendre des points. Se qualifier du coup pour le 11e tour plutôt. Faut se qualifier quoi. Faut se qualifier, on est le LOSC. C'est Belfort en face, frérot. J'avoue que si on se qualifie pas là, je me poserai des questions quand même. Mais bon. Je fais confiance à l'équipe. Qui en 26 minutes a frappé 4 fois au but, mais. Ah, pas mis une dans le but, quoi. Ça va pas me mettre une au fond, là. Yusuf Yazici, Renato Sanchez, Sven Botman. Qui va centrer, penalty sur cette faute sur Jonathan David. Et oui, il va être frappé par lui-même. Allez, Jonathan David pour frapper ce penalty. Il a obtenu. Est-ce qu'il va se rendre justice lui-même? Et oui, Jonathan David. 13e but de la saison pour le Canadien. Permet au LOSC de mener 1-0 face à Belfort. Allez, allez. Botman qui va trouver Renato Sanchez. Sven Botman. Renato. José Fonte. Botman. Fonte. Abenodic. La nouvelle recrue. Arrivée de Malmö. Fonte. Botman. Ballon par-dessus pour Bruno Tabata. Tabata. Le centre de Tabata vers Jonathan David. Qui est pas passé loin du doublé. Allez, on veut voir la nouvelle recrue, nous. Voir Bakary Jata. Faut le mettre à la place de Tabata, allez. On veut voir la nouvelle recrue, Bakary Jata. Qui fait son entrée, là. Lui qui est arrivé de d'Hambourg. Seul recrue qui n'est pas là, c'est Samu Castillejo. Qui est resté à la maison pour ce match. Peut-être préservé pour le reste. Samu Castillejo. Yusuf Yazici. Bon, qui va être récupéré par Amedodzic. Vecino. Pour Jonathan Bamba. Le centre vers Jonathan David. Notre entrée va être celle de Krunic à la place de Renato Sanchez. L'ancien Milanais, Red Krunic, qui fait son entrée. Dernier changement qui va avoir lieu.
Ça va être l'entrée de Jérémy Piet. Non, Benjamin André à la place de Mathias Vecino. Ça va être le dernier changement lillois de la rencontre. Sven Botman. Botman, Jata, la frappe dans le centre vers Jonathan David. Ballon toujours aux abords. Krunic, et le voilà! Le troisième but de la saison de l'ancien Milanais. Et 2-0 pour le LOSC. Et victoire de but à 0 dans ce match. Qualification pour le prochain tour de Coupe de France pour les Lillois, assez tranquillement. Qualification pour les hommes de Kingosta Junior. On va aller voir un peu ce qui se passe. Va enchaîner, j'espère, face à Lorient lors du prochain match à domicile en championnat. Ce serait pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Laissez passer par Baptiste Roland, par Anime, si tu veux. Pour Zita, si tu veux. Demande de prêt pour le joueur de Lukaku. Mais je veux pas le prêter en fait. C'est ça le problème. Je l'ai payé combien Lukaku? Du coup, on l'a payé 700K. Je veux bien accepter le prêt, l'offre de prêt de Saint-Étienne à une condition, qui est une option d'achat. Ouais, 275. 500K. Ouais, 450 cash, du coup. Oui. 450. Les autres ont accepté à 450. Non. Cheap, presque. 450. Pas 45, parce que ça serait un peu trop simple. 450. 450, mec. Voilà. Du Havre pour le Doiron. Obligation d'achat. Attends, 100 000 frère, je l'ai pas payé 100 000 moi. J'ai payé 800 frère. Des ouf. Payé 800 frère. Je veux genre 550 minimum. Faut essayer de rentrer un peu dans mes caisses. Non, non. Ouais, ça va, je suis pas Mère Teresa non plus frérot. Je suis pas Mère Teresa, je t'ai dit. But. En mode Jérémy Le Doré, il va mettre 30 buts en Ligue 2, t'sais. Non, en gros. 550, frère. Bah, y a pas, tant pis. Ça lui fait enculer. Vous êtes pas content, frère. Suis pas là pour enfiler des perles. Hein.
sportif d'Abila. Ah non. Ah non. Mon temps minimum c'est 550 000, frérot. Je suis pas une chouin ici, encore une fois. Putain, mon. Eh, c'est trop, genre. Les gens ils veulent pas payer. Genre le prix des joueurs, tu sais. Genre c'est. C'est fou, tu vois. Mais je lui proposerais bien un contrat. Je fais ça et tout. Mais le salaire, tu le payes comment? Mais ça le problème, j'ai pas d'argent, frère. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, frère. On n'a pas de. On peut pas payer des choses qu'on n'a pas. Charge ça. Toulouse Auxerre, 3 Lens, Stade Brugge, ouais, l'autre il prend le club de national, le PSG, tu sais. Lorient Bastia, OM Brest, Lille, Strasbourg, Lyon Nice et Bordeaux Amiens. Il y a un club de national, il tape le PSG, c'est le plus gros club qu'il y a dans le truc. Niveau chat, bah pour le Stade Brugge, pas du tout. Pour le PSG, à bloc. Ça dépend. Pendant quel sens tu regardes la chatte ici. T'as des joueurs prêtés. Thiago Maia, ça va être sympa quand tu vas revenir, ça peut aider de fou. Après le reste, peux te dire que je m'en bats un peu les couilles. Voilà pourquoi il faut regarder. Je sais 150K, frère. Bien essayer de lui offrir, mais avec quel argent? Voilà, tu vois. On n'a pas d'argent, frère. On n'a pas d'argent, oui. On n'a pas de thune, on est pauvre. On est pauvre.
10K la minimum, je pense que. Je suis une salope s'il part à 1 million. Bah, il peut pas. Je savais comme ça ne me dérange en aucun point. Écoutez, Mouktar, ouais, j'ai pas d'argent, frère. Une chose recrutée telle, regrettée telle, quel qu'en soit le prix, ben donnez-moi des sous. Vous êtes les dirigeants du club, donnez-moi des sous et vas-y, on recrute, mais on n'a pas d'argent, donc on risque pas de recruter. On risque de recruter Walou Nada, frère. Parce que de recruter Son Père. Sa Gigeon aussi. Faut se battre avec la SSE pour qu'ils viennent accepter.
Allez, c'est parti. Il se passe pas grand chose dans ce match face à Parade de Grbic. Sportif Benfica perd 2-0, wesh. Benfica, ils sont en train de perdre 2-0, wesh. Des nuls. Par contre, nous aussi, on est nuls parce qu'on n'arrive pas à gagner contre Lorient, quoi, à domicile. Pour le coup, c'est nul, hein. Allez. Castillejo. On va faire. Et Bakary Jatta, vas-y, on va faire rentrer ces trois-là. On va faire rentrer ces trois-là. Et début de Samu Castillejo au LOSC. Début de Samu Castillejo au LOSC. Allez gros frère. Vas-y là, bougez-vous le cul un peu. Timothy Weah en pointe et Krunic au milieu. Pour apporter un peu plus de touches offensives. Espérons que c'est pas trop. Oui, allez. Allez Timothy. Oh non, je la voyais dedans, jeune! Oh, je la voyais dedans tous les jours. Putain, mais on a dominé tout le match! On n'a pas le droit de pas gagner celui-là. Allez, il connaît. Oui, elle est belle. Allez, Timothy. Allez, Timothy. Voilà! Voilà, oui,
Penalty. Oui, tu m'as. Et victoire 2-0 face au FCL. On va se laisser là les gars pour cette vidéo, pour ceux qui sont sur YouTube. Voilà, il y aura la partie 2 du... Il y aura une partie 2 du coup de ce mercato d'hiver. Bon, vas-y, on va se rester là-dessus.